c'est hyper dangereux ça. Hyper dangereux ça. Mon Dieu, je sais que je suis allé me fourrer. Salut toi qui me regardes, j'espère que ça va. Eh ben, ça va. Ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti rouler que mon vélo s'est cabré lorsque je suis monté dessus. Il m'a pas reconnu. Alors je te refais une intro sur le guidon, comme à l'ancienne, parce qu'il n'y a pas de minute à perdre. Donc il est 9h, je suis en vacances, hein. Tranquille et mille. J'ai pas de temps, j'ai pas de pression. Et on a une fenêtre de tir aujourd'hui. Hier il a fait à peu près beau, mais avant-hier c'était tempête. Hein. Enfin la tempête. Il y avait du vin. Bon, en intro c'est fait, on va pas polémiquer pendant plus de 107 ans. Donc je te retrouve après ça. Time to play the game. Quand je vous montrerai le parcours, vous allez rigoler, mais... Alors avec toutes les conditions climatiques qu'il y a pu avoir entre le vent, la pluie, la forêt, ça devient quand même compliqué. Alors tu me connais, j'aime la boue, j'aime les conditions un peu atypiques, mais là, trop c'est trop. Donc comme c'est pour une reprise, et puis comme j'ai pas envie de me faire mal, et puis d'abîmer le vélo aussi, on va partir pour entre 33 et 34 km et type rando, voilà, type rando organisé, donc avec de la toile, des parts le long du canal, tranquillou bilou, et il y aura du roulant, il y aura du chemin, il y aura un peu de sous-bois bien évidemment. Hein. Sympa ce petit single. Alors là nous arrivons dans la partie un peu que tout le monde redoute. C'est la fameuse côte qui emmène dans le village d'après. Et là, je crois que sans assistance là, c'est compliqué. C'est un vent de travers comme chez Metep. Alors attention. C'est cet endroit-là où par temps sec et ensoleillé, je me suis vautré la gueule l'année dernière. Bien sec et puis que le souffle de ton cou là-dedans tu vas, c'est sûr, dans une allure un peu plus tonique que la mienne. Hop là. Et ne te laisse pas embraguer par la vitesse parce que dès que tu arrives en bas, ça tourne. C'est reparti pour une descente. Alors pareil, hein. Ne m'en veux pas de freiner, mais elle a l'air de rien, mais l'été, c'est de la rigolade.
Et là, tu vois, là, avec tout ce qui est tombé, entre les cailloux qui glissent et la gouilla, faut pas faire le fanfaron, parce que si tu arrives là-dedans au taquet, je pense qu'il y a moyen que tu sois surpris. Allez, où tu bois un coup. Allez, chose promise, chose due. Alors quand le mode GPS avec le Nyon fonctionne, alors je dis pas qu'il fonctionne pas tout le temps, mais quand tu fais du Razorback, à un moment donné, c'est plus où il habite et puis il se coupe. Donc tu as juste la trace sur la carte avec toi en forme de petit triangle qui se déplace, tu vois. Mais là, j'ai mes données. Donc j'ai déjà fait 15 km, il ne me reste plus que 18 bornes à faire. Tu regardes bien, hein. Et puis bah là, du coup, comme le GPS il est en actif, eh ben il me reste encore une heure à faire. Non, c'est bien foutu. Le dénivelé. Donc, tu vois, là, je suis sur mon point haut, je vais redescendre, je vais remonter, je vais redescendre. Sympa, hein. Et là, voilà. Bon, allez, je sais. Tu t'en fous. Tu t'en fous, mais je te le dis quand même. Je t'entends ricaner et dire à voix haute, à ta voix intérieure, « Mon Dieu, il a fait que 34 km !» Non, mais je te l'ai dit, je suis pas dans une forme olympique. Et j'ai le moral au fond des baskets. Avec toute cette pluie, tout ce vent et tout, il n'y a pas moyen de rouler comme on veut. Et la boue, ça commence à devenir un peu lassant. Ça glisse, il faut faire attention sans arrêt où tu t'es fumé les roues. Avec les racines, les cailloux. Là, je vais en mode baladex, parce que je suis parti un chouïa trop vite. Mais ça, c'est mon problème quand je roule tout seul. C'est que je sais pas me gérer. Et s'il y a quelqu'un de fougueux devant moi, je vais le suivre. S'il y a quelqu'un qui roule normalement, je vais le suivre. Mais tout seul, je ne suis que moi, quoi. Et au début, ben j'avoine, puis à un moment donné, ben, je me fatigue. Donc là, je viens de m'apercevoir que j'allais trop vite par rapport à ce que je veux faire. Hein. Je veux partir à la matinée, moi. Donc on y est, tranquille. Ça va la famille? Oh, il est mimi, hein. Je ne dis plus rien, je ne fais que vous admirer. Oh, ce que vous êtes beau. Une bonne tête, le titi, là. Hein, Jay Jumper? Bon, le Morland, c'est un dédale de chemin, hein. De petits sentiers, de petits singles, ça arrive de tous les côtés. Et ce qui est génial, c'est que tu peux venir ici maintes fois, ce serait jamais le même parcours, quoi. Parce que, sauf si tu te l'imposes, mais il y a tellement de petites pistes à voir. Là, c'est à droite. Oui, c'est à droite. Mais j'aurais dû prendre ce... Là, c'est hyper dangereux, ça. Hyper dangereux, ça. Comme ça glisse.
Et forcément, tu me connais, j'ai pas pris le sentier le plus facile. Oh putain, je me fais dessus là. Ouais. C'est tendu, mes amis. Très tendu. C'est trop bouillant ça. Et je me suis piné. Je sais qu'il faut que j'aille à droite. Ça, c'est une certitude. Je n'ai malheureusement pas le choix. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, je vais arriver en bas. Hein. Mais là, là, c'est glissant à souhait. Alors, moi qui voulais emmener Zaza là-dedans, c'est pas la peine. Mon Dieu, où c'est que je suis allé me fourrer? Puis alors, s'il faut que je remonte ça, c'est même pas la peine. Oh, putain, oh, oh. Le sein passe juste. Bon, pas de panique. Je vois du blanc, c'est un chemin blanc. Donc la piste officiellement, elle s'arrête là. Hop là. La piste, elle s'arrête là. Mais là, il y a le moyen. Et je vais pas manquer dans les ruches. Hein. C'est quoi, j'en ai marre de ce bout de bois là. Hop, je vais retourner là-dedans. Hein. Voilà, alors donc, félicitations, je me suis perdu. Enfin, les pistes, c'était pas ça. J'ai tellement été concentré, si tu veux, par. Le fait de ne pas me péter la gueule, parce que je t'avoue que j'en menais pas large du tout, que eh ben que j'ai raté les chemins. Et là, c'est impraticable. Hop là. Bonjour. Bon, je m'arrête 5 minutes. Pour décrotter un peu mon merdier là. Hein, parce que, comme tu remarqueras, c'est Gouya. Donc la source de Joux. Mondialement connue au niveau régional. C'est superbe. Et j'aurais dû arriver donc par là. C'est beau, hein. J'aime beaucoup. Alors, en temps normal, je te dirais que c'est reposant, mais là, bon. Reposant. C'est les vacances, il faut bien les occuper, non? Ils sont quand même mieux là que devant la télé, non? Voilà. Alors ne crois pas que je vais les manquiller là-dedans, hein. LOL. Alors pour toi l'Amérique, enfin, cette partie là on va prendre toujours dans l'autre sens, hein. Cette petite partie de jonction qu'on est obligé de passer bon gré mal gré, on va là, tu vois, là dans l'autre sens. Merde. Bon, tant pis. On va y aller doucement. De toute façon, ça s'enfoncera pas plus. Le moteur n'est pas submergé. Rémi, je te jure,
sur la tête de ta clé à molette préférée que je n'ai pas noyé le moteur. Ah, je t'ai dit que la gouillasse c'était fini. Bon, je t'ai peut-être menti alors. Je me suis peut-être avancé. Oh punaise, oui, je me suis avancé. Bene, bene. J'adore. J'adore. Allez, 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 allez. Faut pas caler! Faut pas caler! Donc je sais pas si t'as remarqué, mais il y avait des petites pancartes bleues, donc sur tout le parcours, avec des noms. Ok? Bon, je vais te faire une minute. Une minute, si tu veux bien, mémoire. Voilà, à la mémoire des 8 combattants volontaires de la résistance du bassin de Haulois. Donc, t'as les noms. Ils ont été faits prisonniers et ils furent battus et torturés à mort à la caserne Bac de Dol. Leurs cadavres affreusement mutilés furent jetés en ce lieu par leurs tortionnaires et retrouvés le 9 septembre 1944. Voilà. Alors je te demanderais bien de, en ce lieu, ne pas faire de blagues graveleuses et puis de te tenir tranquille parce que voilà. Je dis toujours, aimons-nous vivants, mais respectons nos morts aussi, tu vois. Allez, petite photo pour mon Insta. Alors oui, j'ai un Insta. Alors oui, j'ai Insta, j'ai un compte. Donc je te mets le lien au-dessus. Et puis je te mettrai le lien en description aussi. Alors je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, il n'y a pas quelques jours. Hein. Mais je me suis dit, oh ben écoutez, tout le monde en a un. Pourquoi pas moi? Il faut aussi que je rentre dans le Geeko réseau aussi, quoi. Et bien voilà, toi qui me regardes, c'est terminé. Donc ça a été une sortie... Alors, toi, bon, sur le moment, j'ai failli pas mettre ma protection de batterie, parce que je me disais, ça va être tranquille ou bilou, il y a que du chemin. Non, non, non. Le vélo a morflé un petit peu, quand même. Oh, léger, c'est léger, c'est léger. Alors, les stats. Donc, je ne sais pas si tu vas bien voir, il y a le soleil, bon allez, on va faire comme si tu les voyais. Donc j'ai fait 34 km, 535 de D+, une moyenne de 17,3 et temps en mouvement 1h57. Voilà, parce que lui, dès que je m'arrête, il se coupe, d'accord? Parce qu'il est 11h18 quand même, ok? Alors là, je passe ça, pour t'expliquer ça. Ça, c'est la façon dans laquelle j'ai utilisé mon vélo. J'ai utilisé 72% mon mode éco. Et un petit peu mon mode tour. D'accord? Je vais te montrer quelque chose qui va être plus parlant. Si on part du principe que là, je continue à rouler avec ma cadence de pédalage et le... Dans une pédale, je pourrais encore faire 108 km. En mode tour, je pourrais encore faire 70 km. Et en mode MTB, 59. Et en mode turbo, 52. Pourquoi je te montre ça? Parce que très souvent, on me pose la question,
L'autonomie de la batterie. L'autonomie de la batterie, ça dépend de ta cadence de pédalage, ça dépend de ton poids, ça dépend de ton terrain, ça dépend de la pression des pneus, ça dépend, voilà, tout plein de choses. Ce qu'ils te disent en autonomie d'usine, tu n'écoutes pas. C'est comme quand tu achètes une voiture, on te dit, oh ben, elle fait une moyenne de temps. Oui, mais c'est ton pied qui commande. Donc si tu as le pied lourd, tu consommeras plus. Et si tu roules comme moi en mode papy brossard de 50 ans, tu consommeras moins. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était juste la petite parenthèse pour bien faire comprendre la vie d'une batterie. Bon. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'aura plu. Hein? Je dis, hein, il n'y a rien eu de compliqué. C'était tranquillou bilou. C'était une reprise pour me remettre en jambe et réhabituer mes genoux à pédaler. Est-ce que je ferai ce parcours avec Zaza? Oui, il faut que je l'emmène là-dedans, Zaza. Même Fafa pour ta reprise, mon ami. Mais la partie Morland, on la modifiera. Hein. Je remercie mes derniers abonnés. Je suis à 387. Ça grimpe tout doucement. Je vous remercie de la confiance que vous me portez. Et puis de la patience que vous avez à me visionner et à supporter mes pitreries. Comme je te l'ai dit, j'ai un compte Insta. Donc, je te mets le lien. Il y aura le lien dans la vie. Dans l'outro, dans l'intro, tu peux pas me rater. Tu n'hésites pas, tu es la bienvenue aussi. Je te remercie pour me visionner, pour commenter, pour liker et puis t'abonner. Merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation. Porte-toi bien et à bientôt. Allez, tchuss. And where I go, but it is so hard to feel my kids. But it is so hard to stand the ghetto.